Salut à tous, je suis sur la route du fait et aujourd'hui j'ai décidé de vous lancer un petit défi, même deux petits défis. Je vais vous montrer le parcours. On est en haut de la route du fait à l'arrivée de l'entonnoir. L'objectif, ça va être de faire le parcours que je vous propose en moins de temps possible ou alors de faire la boucle le plus de fois possible. Je l'ai fait ce matin, j'ai mis 10 minutes et 40 secondes et j'en ai fait 6. Après, j'avais plus d'eau donc j'ai décidé de rentrer, mais je suis sûr que vous pourrez faire beaucoup mieux. J'ai pas encore demandé à la secrétaire de l'Esprit des Elfes tous les lots qu'il va y avoir pour cette compétition géniale. Mais de toute façon, ça sert à rien parce que c'est Aurel qui va gagner. Je vous propose un départ de ce banc là. Et une arrivée à ce banc là aussi. Bon, c'est parti. Arrivée bien chaud parce que dès le début, ça bombarde grave. Bon, voilà la bifurque, là il faut pas se tromper, le début de l'entonnoir c'est là. Et à partir de là on grimpe. Et pour ceux qui connaissent rien à la forêt, le château de la chasse il est juste là. Ok ? Bon, c'est parti, on grimpe. Arrivé là, j'ai décidé obligé de prendre à droite. Alors ici, on est obligé de redescendre, c'est obligatoire. Pour remonter là à droite là. Arrivé en haut, on continue tout droit ou on prend légèrement à gauche là. Et on ressort de la forêt juste là pour retrouver la route du fait. Et après, gros sprint pour arriver jusqu'au banc. Il y a à peu près 1,5 km, 75 ou 80 D+. Laissez vos résultats et vos traces GPS, envoyez-les à l'espritdeselfes@gmail.com. Alors à vos GPS!